Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit atelier en carton. Bah oui, vous vous souvenez, on a fait un théâtre, il y avait des petits personnages, tout ça. J'étais déjà allée glaner du carton. Glaner, aller ramasser mon petit carton à droite à gauche. Et c'est ce que je vous disais l'autre fois, on en trouve partout. Et je me suis dit, ce carton, on doit pouvoir en faire encore autre chose. Alors, on va pas avoir besoin de grand-chose pour cet atelier. On va aller récupérer du carton. Mais parfois des cartons avec des motifs dessus, c'est bien aussi. Du carton brut, comme ça, c'est bien aussi. Et puis on va se réunir plein de cartons comme ça. Et ce qu'on va faire, alors moi vous avez vu, je l'ai peint celui-ci. Vous allez voir, j'ai plein de couleurs. Déjà, on va peindre du carton. Des grands bouts comme ça, peu importe. On peut se faire plaisir en jouant avec les couleurs. On a vu précédemment, on avait parlé des couleurs primaires, alors on pourrait se dire, je vais peindre des cartons dans les couleurs primaires, que des rouges, que des bleus, que des oranges, enfin ces trois couleurs-là. Et puis on se fait nos cartons comme ça. Peut-être qu'on laisse un côté, on peint, l'autre, on laisse sans rien. Donc on va déjà s'amuser à faire ça, travailler les couleurs. Donc moi là, j'ai fait ce bleu-là, je l'ai eu avec un mélange. C'est de la gouache, ou des fois on a des peintures acryliques, ça marche très bien. Je peux aussi me dire avant de commencer notre construction, parce qu'aujourd'hui on va construire ensemble. On a déjà construit, mais on va continuer à construire, que je fais du collage. Alors ça, vous vous souvenez bien, ma colle, mes images, et puis on devait déjà passer un temps, qui sera déjà un atelier, à faire des collages, cette fois à plat sur nos bouts de carton. Il faudra attendre que ça sèche. Voilà, là j'ai pris, je viens juste de faire un petit collage, un petit singe comme ça, peu importe, je vais laisser sécher. Ce morceau-là, je pourrais m'en servir. Je peux aussi décider que je fais de la peinture, je fais aussi du collage. Et puis ce que je peux faire aussi, c'est aller chercher mes feutres, toutes les couleurs qu'on veut, et puis simplement dessiner sur mes cartons. Et c'est déjà un atelier, ça. On peut déjà se mettre à dessiner sur des cartons, des graphismes, des choses qui ressemblent. On fait des figuratifs, par exemple, je vais dessiner, je fais toujours des fleurs quand je dis ça. Il faudrait que je fasse autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire une théière. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est l'heure du thé, j'ai envie de boire du thé. Mais hop, une petite théière. Toc, toc, toc. Je fais vraiment des choses comme ça, on dirait presque un éléphant, tiens, ma théière. Et puis, je vais dessiner quand même une fleur. Enfin, je sais pas, je fais des dessins, et puis je peux raconter une histoire, une théière qui va rencontrer une fleur, qui monte ensemble dans une voiture. Je sais pas, c'est vos histoires. Voilà, je fais des dessins. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'on fait des dessins sur nos cartons, et puis on change de couleur, on colorie nos cartons, ou on reste qu'en noir et blanc, on fait ce qu'on veut. Alors là, c'est vraiment un temps de dessin, mais ça, tout le monde sait faire, on aime bien dessiner. Un petit graphisme autour de ma théière qui monte comme ça. Voilà, je vais dessiner. C'est juste pour vous dire ça, où je vais coller, où je vais peinturlurer. En travaillant les couleurs, les mélanges, etc. Ou une couleur ou deux couleurs, peu importe. Je me prépare une quantité de carton. Je vous ai dit, je voyage pour venir filmer les vidéos d'île. Alors, je ne vais pas prendre tous les cartons que j'ai fait, mais je suis venue avec plein de petits bouts de carton. Aujourd'hui, c'est l'atelier bazar. Petits bouts de choses comme ça. Et vous voyez, moi, j'ai fait plein de couleurs. J'avais du orange, j'ai fait du vert. J'ai fait un orange un peu plus clair. Je me suis amusée avec les couleurs, c'est déjà un jeu. Et puis mes petites formes, je pourrais déjà m'amuser à les disposer. Première possibilité, d'ailleurs, avant de construire en volume, on va monter dans une autre dimension. Mais déjà, ces formes, parce qu'on va couper dans nos cartons, il ne faut pas que j'oublie de dire, couper. J'ai coupé des formes. Alors, selon les cartons, ça peut être un peu difficile, on peut soit dessiner la forme qu'on voudrait couper, si on veut le faire ensemble par exemple. Moi je sais pas trop couper, mais toi je sais dessiner. Alors je te dessine une forme, tu me la découpes, d'accord? Un rond. Comme ça, tiens, je découperai ça. Et puis après, on va aller chercher quelqu'un qui sait découper. Alors on n'a pas besoin que ce soit très très bien découpé et qui va me couper ma forme. Alors, ce que je fais des fois, je coupe des petits bouts, c'est plus facile. Et ça, on peut le faire avec un adulte si notre carton. Il y a des cartons qui se coupent très bien quand on récupère et puis il y en a qui sont un peu plus durs. Alors comme c'est quelque chose où on se fait aider, comme dans tous nos ateliers,
Ben voilà, donc je vais découper par un bonbon. Alors ça va être un autre atelier. Peut-être ça suffira déjà de passer un temps à peindre, à coller, à dessiner. On est fatigué, on a envie de faire autre chose, je comprends. On fait autre chose, le temps passe. Peut-être un jour, deux jours, une semaine, peu importe, une heure, cinq minutes. On a le temps qu'on veut. Puis quand on a envie, puis on peut le faire en famille, ou avec des amis, ou en groupe, ou tout seul. Eh ben, on continue et on va se découper des formes, on va en faire plein. Parce que, vous avez vu, moi, je mets plein de formes. Plein de formes. J'ai passé du temps à les découper. On peut même déchirer, on peut essayer de déchirer son carton. Les petits bouts peuvent être intéressants. On peut garder. Tout se garde. Moi, cette forme, je ne l'ai pas choisie, mais elle est intéressante. Je garde. Ça, je garde aussi, peut-être ça me servira pour plus tard. Tout peut se garder, se conserver pour faire autre chose. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai découpé une forme, je vais en faire plein. Je peux essayer en déchirant. Ah, il se passe quelque chose d'intéressant. Après tout, c'est joli. Enfin, moi j'aime bien finalement, c'est le hasard qui a fait ça dans ma découpe, on verra. Je vais la recouper un peu maintenant, comme ça. Je garde. Et toi, je te garde aussi, petit bout. Voilà, ainsi de suite. Le temps va passer, je ne sais pas combien de temps vous en avez. C'est des choses qui vont pouvoir se garder, parce qu'on va pouvoir construire, déconstruire, faire, défaire. C'est un jeu de construction qui coûte pas cher. Alors, il faut être un peu équilibriste, parce que ces formes qu'on aura réunies, vous voyez là, j'ai plein de formes. Alors, j'ai travaillé un peu avant. Je n'ai pas fait d'un seul coup parce que, au bout d'un moment, j'en aurais eu marre. C'est des fois, j'en ai marre de dire, oh, il faut que je revienne plus tard, je continuerai, sinon je vais gâcher. Alors, je laisse, voilà. Donc, j'ai fait ça. Ça m'a pris un certain temps. Puis là, je suis venue avec toutes ces formes faites. D'accord, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est bien joli. Voilà, les petits bouts. Alors, eh ben, je vais choisir mes formes. Je vais en prendre une. Je vais commencer. Et je vais construire. Là, il est déjà fait. Donc là, par exemple, j'avais cette forme que je vais peindre en joli rose. Alors moi, j'ai choisi de ne pas peindre l'autre côté, mais j'aurais pu. Ou j'aurais pu dire, je peins de ce côté-là, je fais un collage de l'autre côté, ou je dessine d'un côté, ou je viens dessiner aussi sur ma couleur. C'est encore une possibilité. Ou je viens coller des gommettes. Bref, c'est infini les possibilités. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, j'ai pris mon ciseau et j'ai coupé. Je refais comme ça. J'ai coupé. Oui, je vais aller choisir un autre bout. Tiens, celui-ci n'est même pas coupé. Je vais me dire un endroit de mon bout de carton. Coupé. Mais je coupe pas tout. Sinon, je me retrouve avec deux petits bouts. Bah, tiens, je vais le faire. Oh mince! C'est pas grave. J'ai encore un plus petit bout. Bah, celui-là, je vais lui faire une petite entaille. Entailler, couper comme ça. C'est pareil, on peut se faire aider. C'est vraiment un atelier qu'on peut faire à plusieurs. C'est même rigolo parce qu'après, il va falloir faire tenir les choses les unes avec les autres. Donc comme j'ai fait des petites entailles, et là aussi, je vais les rentrer les unes avec les autres, comme ça. Alors il faut, voilà, travailler un peu sa forme, on y arrive, là elle tient, mais je peux la descendre encore mieux. Alors comme les cartons sont récupérés, ils sont pas tous exactement pareils, des fois ça me demande un petit effort. Voilà. Je vais faire ça. Donc là, d'accord, elle a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je... Ah, ça tient pas. Bon, alors, je vais prendre un autre morceau. Je l'ai déjà coupé. Je vais couper. Ici, je suis un peu au hasard. Hein. Vraiment, je n'ai pas décidé avant. J'ai coupé. J'ai ouvert ici. Et je vais les mettre ensemble. Alors, je vais avoir des fois... Ah, celui-ci, je l'ai peint des deux côtés. Je ne l'ai même pas rendu. Je ne me souvenais pas. Et voilà. Donc là... Je commence à avoir un début de construction. Tiens, il tient comme ça. Oh, super! Oh, tiens, du jaune, ça me plaît bien avec ça. Là, je l'ai déjà coupé. J'ai préparé le travail. Et puis, je vais essayer. Hein. Alors, des fois, ça va basculer. Et il faudra rééquilibrer. C'est une histoire d'équilibre. Tac. Alors, on peut équilibrer les formes, parfois équilibrer les couleurs, c'est-à-dire se dire, j'ai envie de cette couleur avec celle-là. Oh, ça grandit, ma construction.
Et puis on va partir pour une longue histoire qui va nous mener je ne sais où. Et je vais continuer. Là, j'ai fait, je vous montre, j'avais fait un peu de graphisme, un peu de couleur. J'ai assemblé des formes. Et puis moi, je décide que je continue à construire. Alors c'est comme quand il y a eu un atelier, je me dis là, je vais essayer. Alors il faut être patient. Ah, j'ai pas fait l'entaille. Entaille. C'est là qu'on peut se faire aider. Mais on peut être ensemble et demander quelle forme tu as envie de mettre. Tiens, aide-moi à mettre celle-ci. Ou fais l'entaille. Et puis on essaye. Voilà, au départ, des fois, on se dit, oh, ça se passe pas bien, j'arrive pas à mettre. Et puis on finit toujours par y arriver. Voilà. Mais après, des fois, ça va faire basculer ma forme. Alors, il faudra que je continue. Voyons voir. L'histoire se passe pas mal. Ça peut tenir comme ça. Là, et puis ainsi de suite. Voilà, alors c'est une proposition très simple mais infinie. Parce qu'après, on pourrait faire plein, plein de formes. On peut arriver à monter assez haut, où on peut faire un long train de sculpture. Alors, quand on va au musée, parfois il y a des artistes qui font des sculptures un peu comme ça. Et nous, on le fait avec des moyens très très simples. Ah, j'aime bien ça. Ça me plaît. Alors, de temps en temps, on prend son travail, sa création, et puis on la met un peu plus loin pour regarder. Parce que quand on s'éloigne un peu des choses, on se rend un peu mieux compte de ce que ça donne. Et puis, alors voilà, moi j'avais commencé. On peut s'en préparer plein, des petites, et puis après. On peut jouer à les mettre ensemble, à voir si on arrive à les faire tenir tout ensemble. Voilà. Alors on peut. Ah ben tiens, comme ça, celle-ci. Voilà. Et puis je peux la tourner. Et puis après, je me dis, je vais essayer de venir la mettre là. Voilà. Alors c'est un atelier pas compliqué à mettre en place. Et puis ce qu'il y a de bien. Ah, j'ai pas fait l'entaille. Ah ben là, j'en ai une. Je vais essayer de mettre là. Une sculpture, c'est une sculpture, c'est vraiment une sculpture, c'est le début des sculptures. Il y a des artistes qui travaillent comme ça. On fait des sculptures en papier d'abord, on cherche avec du carton, et puis après, parfois, ils les font réaliser dans des matériaux très durs. Voilà, ça peut être du métal, ça peut être d'autres matières, mais avant, on peut chercher ces formes comme ça, et puis on peut aussi travailler avec des formes comme ça. Là, j'avais découpé, mais je l'ai gardé parce que je me suis dit à un moment donné. J'irai mettre quelque part. Ah, je vais essayer une chose un peu périlleuse. Je vais essayer de mettre là. On va voir. Je vais peut-être avoir une surprise. Ça va peut-être basculer. Voyons voir. Après que ça a basculé. Ah! C'est celui-là qui a basculé, mais celui-là, il tient. Ah ben, je vais essayer de prendre mon petit bleu là. Et de mettre là. Il s'agit de prendre des décisions. Il ne faut pas avoir peur. Parce que ce qu'il y a dedans, on peut le défaire. Et que si ça tombe, on peut le modifier pour qu'il ne tombe plus. Ah, ça tient. Voilà. Donc c'est une proposition infinie. Et maintenant, je peux commencer à les réunir. Et puis, je peux continuer à monter. Et puis après, on peut se dire aussi, alors, une autre proposition. On est sept, la famille des sept familles, enfin les sept de la famille de sept. Et puis chacun va faire sa petite part. Alors les plus petits, on peut les aider. Et puis à la fin, chacun va amener sa petite sculpture. Et puis on va pouvoir continuer à jouer, à les mettre ensemble. Ça peut être des propositions toutes simples, c'est déjà une forme de petite sculpture. Et puis à se dire, on va les mettre comme ça. Alors il faut que ça tienne. Elle ne tenait pas comme ça, elle tient comme ça. Et puis à dire, ben, on va les mettre ensemble. Et puis on voit que ça nous fait des compositions comme des petits paysages. Puis peut-être que vous arriverez à construire très haut comme ça. Et puis le troisième, il va venir
Oh, lui, il s'est fait. Oh, c'est presque un avion, dis donc. Boum, comme ça. Oh, lui, il n'était pas très, mais il a fait une toute petite construction. On va la mettre là. Puis on peut chercher à les attacher ensemble. Vous avez compris le principe. Et mon petit rond. Ah, mon petit rond. J'aime bien avec cette forme-là. Ah, je vais essayer ça. C'est drôle cette forme. Alors, plus on va en faire, plus on va avoir des idées de forme et d'assemblage. Ah ouais, j'aime bien ça, moi. Mais il lui manque un peu quelque chose. Je vais choisir dans mes couleurs. Tiens, un autre rond. Alors, je vais faire ma petite entaille. Je vais essayer de le mettre là. C'est pour vous montrer que je peux vraiment continuer, continuer. Mais c'est vraiment sympa à faire ou avec des copains, des copines, comme ça. Ah, voilà, une autre sculpture. Je vais venir la mettre ici. Et ainsi va aller mon histoire. Voilà, donc je vais la rapprocher comme ça parce que je crois que je suis pas dans le champ. Je suis dans le champ? Je suis dans le champ des sculptures. Alors, si on montait très haut, on pourrait envahir tout ce bureau. Je suis dans un grand bâtiment et puis on pourrait demander à tous les gens des bureaux, leur donner trois bouts de carton, allez-y. Et puis voilà, ça c'est un petit. Ah ben voilà, on peut se donner des petits challenges. Peut-être qu'un jour on pourra faire ça quand on pourrait être tous ensemble. On vient tous avec nos cartons peints, on vient tous avec nos ciseaux, on fait chacun une petite sculpture, une proposition, on n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué. Hein? Et puis, on les mettrait tous ensemble comme ça. Et ben, on aurait une énorme sculpture. Voilà. Donc c'était une proposition toute simple. Amusez-vous. Et puis après, avec vos petits bouts, après on peut démonter. Vous décidez qu'on garde. On peut défaire, on range. Comme un jeu de construction, puis on y revient. Et c'est vraiment un jeu à jouer à plusieurs aussi. Hein. On peut vraiment partager ce temps-là pour être des grands constructeurs. J'ai réussi à aller assez haut. Mais ça prend du temps, faut être patient, donc c'est pareil, mais je vous assure qu'on peut trouver l'équilibre pour monter très haut, voilà. Et ben, je vous laisse avec vos cartons, vos couleurs, et surtout amusez-vous. Et puis si vous en avez envie, ben, envoyez vos images, hein, c'est chaud, voilà. Au revoir, au prochain atelier.